les interfaces avec AutoCAD, Revit et Tekla ont été mises à jour pour les nouvelles versions clients. Pour déterminer la rugosité d'une surface dans la soufflerie, les matériaux utilisés dans AirFem et AirStab peuvent être transférés vers AirWind. Il est désormais possible de créer des matériaux directement dans AirWind Simulation. Vous pouvez désormais créer vos propres zones pour subdiviser les modèles afin de mieux les évaluer. De nouvelles options de sélection vous permettent d'assigner facilement les zones de votre modèle aux zones individuelles. Outre les sections définies par l'utilisateur, les zones sont également affichées dans des sections. Affichez-les ou masquez-les individuellement. Vous pouvez par exemple afficher les résistances à l'écoulement ou les coefficients de pression moyens associés à des zones individuelles. Ajustez ensuite les modèles dans AirWind Simulation. Modifiez l'intégralité d'une zone ou insérez des ouvertures.